Hop, c'est bon, on continue donc. Enter the Gungeon. Hop, bon. Et quelle heure? 9h30. Ah bah ça veut dire que t'as vraiment la poisse dans cette tête, c'est pas encore pire que moi. À la table. Bon, au moins là je pourrais faire l'ascenseur, enfin finir l'ascenseur j'espère. Ce sera déjà ça. Ah merde, j'ai pas été à la brèche voir s'il y avait une mec. Attends, j'aurais pu aller. Ok, merci pour la référence. Je ne savais pas. Si j'ai une bonne arme, je le ferai, mais si j'ai pas de bonne arme, ça me fait un peu chier. Oh non, putain, je suis un bouffon, je fonce dedans. Quoi. Ouais, elle est dure. Tout à l'heure, je l'ai fait, j'en ai une bonne arme, c'est pas assez crème. Et là, avec le gueule de base, je sais pas. Mais de toute façon, pour le délire, je vais y aller, puisque j'ai pas réussi à ramener le bouclier intact. Je voudrais bien le faire, comme ça, j'aurais plus jamais à retourner dans cette zone. Enfin, ou quoi que je sais pas en fait à quoi ça sert le bouclier. Les gens ils m'ont dit de le faire, mais je sais pas. Ils m'ont dit qu'il fallait le ramener au deuxième étage, je vois où il faut le ramener. Ah putain, le coffre rouge, là j'ai de la chatte normalement. Secret des maçons, putain, c'est même pas un game. Relève les portes secrètes. Pourquoi il y a des portes secrètes dans le jeu? Révèle les portes secrètes pour corrompre les briques mouchards prêtes à trahir leur congénère. Il y a des portes secrètes, ok, nouvelle somme pas.
On va espérer qu'il y a un truc dans le coffre. Que ce soit pas la galère. Ouais, l'arbalète. Ouais, ça va. J'ai connu pire. J'ai vu le bicrave direct, des fois il y a pas. Je sais pas s'il y a. Ouais. Ah ouais. Ça crée un fantôme sur les murs. D'accord. Donc je verrai, ce sera grillé. Bon, j'espère qu'avec l'arbalète ça va passer. Ouais, putain, en plus c'est ce connard et j'ai pas mon save. Ça va être la merde. Eh merde! Putain, je suis dans le pire, le monde vortex. Hop là! Recharge! Putain, j'aurais quand même perdu deux cœurs bêtement. Quand tu verras une sorte de fantôme dépassant d'un mur, il faudra tirer sur lui pour faire éclater le mur et dévoiler une salle secrète. Si ton arme ne fait pas exploser le mur, utilise une balle à blanc. La différence d'explication. Ouais, bah ok, bah merci pour l'info. Je vais essayer de trouver ça. Classique. Ah mais merde, j'ai déconné. Putain, je voulais aller dans les oubliettes, mais comme un con, j'ai utilisé ma clé dans le coffre. Et ouais, il n'y a plus de clé. Bon bah tant pis. Hein. J'ai déconné. Ah, c'est quoi, j'oublie qu'il faut deux clés. Je sais pas pourquoi. Je crois que vous avez dit je sais pas quoi. Acceptez-vous de me donner. Merci, je vais passer ma commande. Nous faisons une sacrée équipe. Et du coup, tout y est, retrouve-moi à la brèche quand vous aurez fini ici. Retrouvez-moi, ok. Dis-toi que cet oubli a sauvé ta vie. Bah, pas forcément, tout à l'heure j'ai réussi et ça m'a donné plein d'argent. Et ça c'était plutôt cool. Putain, et je sais pas pourquoi sur mon jeu, mais moi une balle à blanc elle part automatiquement. Je comprends pas. Bon, bref, du coup, une balle à blanc elles sont gâchées à chaque fois, c'est chiant. Pas en trou, pas en trou. Eh mais. Waouh. Ah, j'ai fait que de la merde. Je crois pas. Non, me touche pas. Putain, mais non. C'est pas sérieux.
Vous êtes nombreux, bande de bâtards. Bon alors, laissez-moi passer. Comment il fait le marine pour perdre son casque? Ah ouais, c'est ok. D'accord. C'est quand je me prends un shoot, ça me fait tout ça. Ça va être chaud. Allez, les tables. Je perds mon casque, ouais, quand je prends un coup. Armure égale son casque, ok. Enfin, c'est pour ça qu'il commence avec une pièce d'armure, lui. Voilà, là, là, là. Bah, allez, pète. Voilà. Putain, j'ai vraiment trop mal joué à cette partie, j'ai déjà plus de vie. C'est pas grave. Sérieusement. Ok. Merci pour les explications. Mais bon, là, je crois que je suis cuit. Ah, c'est ça, donnez-moi de la vie, les gens. Si, ouais, normalement pour les balles, enfin pour l'armure, c'est marqué que ça a l'effet d'une balle à blanc quand on se prend un hit. C'est marqué ça chez le vendeur. Waouh, 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 waouh! Putain, c'est chiant qu'on voit pas l'écran en entier à chaque fois. On sait jamais ce qui va nous arriver dans la gueule. Et voilà, voilà. Exactement, c'est pas ce qui arrive et boum! Bon, retour à la prêche. Je vais faire une petite pause de 2 secondes, les gars, je vais aller pisser. Hop, pause 2 secondes, j'arrive.